tomber. Et moi, la prière, continue à faire un petit tomber tout petit. Et mais ce bagage important que pour nous connaître, que l'alerte là maintenant, c'est pour attendre sa autorité à dire. Et si vous avez besoin d'être dans la rue, rentrez la caille, non? Parce que Isaac pour finir. Et je pense que c'est ça qui est plus important pour nous, pour la population connaît, que l'alerte là maintenant. Et c'est pour prendre continuer pour précaution toujours. Bon, coordination ici est toujours bien faite. C'est pas première expérience avec et DVC. Et nous voyons que tout le monde mobilisé. Et je pense que nous avons beaucoup de chapeau pour tout le monde, ça, justement, qui pour que j'aime rentrer la caillou, qui a maintenu et qui est là pour partager nos nouvelles avec la population. Je pense que c'est très important. Pour ça, nous avons dit merci. Parce que c'est avec et c'est grâce à eux-mêmes que la population est informée de ce qui a passé. Et pratiquement, et ça est en real time, c'est-à-dire en temps réel, la population connaît qui ça a fait. Mais qui donne l'information? Bon, je pense que moi suis très mal placé en dans direction de la protection civile pour me carré pour nous bailler comme ça, tandis que il y a des experts qui là. Son réponse, je pense que nous avons posé l'expérience. Bon, moi je pense que le taux de réussite était très bon et nous avons toujours fait mieux parce que nous n'avons pas jamais atteint la perfection. Ça veut dire que nous allons apprendre de si tu as des failles, nous allons apprendre de failles ça pour que la prochaine fois et nous allons faire mieux. Même penser que la mobilisation pour moi-même était bon et je prends beaucoup de chapeau tout pour TNH puisque nous sommes branchés sur TNH qui fait un travail côté le tableau de reportage en direct sous différentes zones dans le pays. Ça c'est une grande première. Je pense que c'était bon et l'équipe là t'es mobilisé et t'es partagé information que c'est par SMS, que c'est dans la radio, que c'est par téléphone ou bien broadcast BBM. Moi je pensais que le message était assez bien passé. So, moi m'a répété encore que mon yoté font beau travail et tout le monde concerné fait un gros travail et n'a toujours une place pour amélioration. Est-ce que le gouvernement commence à réfléchir sur le travail après la parce que mon instance concernée, moi quoi que yo là, encore, je ne parle pas pour qui ça c'est moi à poser des questions, tandis que tout le monde qui est concerné yo là, on ne parle pas de questions eux-mêmes. Et concernant le monde nous déplacer dans le camp, que nous mettons dans les avis. Bon, là encore, nous avons des responsables, nous avons des gens qui sont responsables pour gérer ça. Il y a un abri provisoire, côté aux jeunes, côté pour dormir, aux jeunes manger. En attendant, il y a plein de alertes en levé. Je suppose que les gens qui sont responsables, il y a plein de alertes en levé. Et il y a même un plan pour assurer suivi pour les gens. Tu peux vous donner des messages, c'est qui ça t'a vu? Bon, tout autant que l'alerte n'a pas levé, et on a demandé tout le monde pour précaution, et c'est pour tout le monde solidaire. C'est-à-dire que je me dis, là, voisin veille sur voisin, voisine veille sur voisine, et c'est pour tout le monde mettre tête ensemble pour que vous puissiez sortir de ce bagage. Parce que solidarité, c'est un bagage qui est très important dans les moments.